Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Donc je suis en 1v1, là, duel limité. J'étais en train de perdre, je remonte, donc je préfère tourner la vidéo ici maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve ce mode de jeu très dégueulasse, absolument dégueulasse. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Regardez à travers les yeux du dragon. Oh putain! T'en as de la moule. Putain. Putain, t'en as de la moule. Voilà, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Fou. Il va me haïr. Ah oui, ce tir de la moule. Je pensais pas l'avoir eu. Boum! Voilà, ça c'est fait. Ah là 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 là, ce tir. Bon, c'est pas grave. Alors ouais, regardez la défaite. Waouh, ça fait mal hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Des choses intéressantes, j'espère. Là, j'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce que c'est? Un truc que j'avais déjà, ok c'est cool, merci le jeu. Bon, du coup on repart en chaos jubilatoire, what? Un chargement de l'ulti, 150, oh là 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 là. Passer la vitesse supérieure. Alors, bah les héros, ils parlent pas des héros. D'accord. On repart en 3v3, ce sera pas plus... On y est chers amis, donc. Nous sommes avec Waloop, Kyoshiro. Ah, Kyoshiro, bah tiens, on vient de l'affronter. Je l'ai dégoûté, le pauvre. Pauvre homme, il est deg. Outei. Sur la nécropole. Vous voulez que je prenne un Lucio? Peut-être plutôt un... Hop, on va jouer avec notre copain. Et de 1. Et de 2. Je l'ai pas eu. Dommage. Ok, ça c'est fait. Ensuite, ils vont sans doute reprendre les mêmes personnages. Par conséquent, je partirai bien sur... Ah, je vais pas heal à chaque fois. Désolé, hein, je ne vais pas heal à chaque fois. Faisez pas les cons. Hop, c'est parti. Il faudrait que je vois. Je suis en train de voir avec l'un d'entre vous, chers amis, mais aussi quelqu'un que je considère comme un pote, hein, maintenant, hein, faut le dire. Hein. À partir du moment où on est aussi sympa que ça avec moi, j'ai pas pris le bon pic du tout. J'ai pas eu le temps. Non. Bon, au moins ils peuvent pas les reprendre. C'est intéressant comme mode de jeu, n'empêche hein. Ça c'est bien plus intéressant que le 1v1 limité hein. Finalement le 1v1 limité ne sert strictement à rien, je trouve. Vu que souvent bah, c'est de la chatte hein.
Tu te fais du mal, hein. Tu te fais du mal. Hey. C'est beau ça. Ah, j'imagine. Oh, vas-y, tombe. T'aurais dû tomber. J'imagine tellement, vous savez. Ok. Donc, maintenant, ils vont croire qu'on va prendre une Pharah. Donc, je persisterai bien. Oh, tu ne veux pas tanker. Ok, ben on va tanker alors. Ben, faut savoir. Voilà. Crac. Notre pote a pris Lucio. Ok, cool. Mais quoi? Pourquoi? Ah les gars, vous êtes quand même casse-couilles. C'est débile. Tu sers à rien, Kyoshiro, sur cette map, c'est pas possible. Enfin, il est useless ce bonhomme, c'est pas possible là, pour le coup là. Enfin bon, c'est pas grave. Ah bah non, je vais pas heal hein, maintenant. Ah bah non, vous vous démerdez. Hein. Voilà, il s'est fait rect. Voilà, bon bah écoute. C'est cool. Donc moi c'est report aussi sec là. Honnêtement, là, hop, report. Absence de coopération. Voilà, crac. Hop, bravo, bien joué. Enfin bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. On y retourne, chers amis, hein, après tout. On va pas se faire emmerder par des joueurs qui veulent pas jouer correctement, c'est... En même temps... En un sens, on est sorti 3 fois par la même porte. Clairement, le Hanzo aurait dû sortir plus tôt. J'aurais peut-être même dû le prendre moi, le Hanzo, pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, c'est stratégique. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'on était avec un débile. C'est rien, c'est... Le mec, il nous a pourri la deuxième partie, il nous a pourri la troisième. C'est comme ça, hein. C'est, il a couru sur des gens, quoi. C'est... Ah là 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 là. Bon, on verra bien si c'est mieux maintenant ou pas. Moi je reprends Sim. Hein. Oh mais non, il est encore là, il sert à rien, tu sers à rien. Le véritable ennemi de l'humanité, 2 sur le désordre. 1. Place au combat. Putain, ils ont un singe. Putain, mais il avait le heal devant sa gueule. Bon, c'est pas grave. C'est dommage. Bah non, moi je continue. Rien à foutre. Comme ça, je suis tranquille. Rien à foutre. Oh, parce qu'il croyait qu'on allait changer. On parlait combien qui joue une Ana DPS ? Défense en place.
elle est détruite. Ah putain. Pensez-vous qu'il allait tirer sur le piège? Ben non. Regardez, pensez-vous qu'il allait heal notre pote? Ben non, 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 mieux vaut faire le DPS. Tiens, bah regardez, on va le laisser tout seul. Tant pis, regardez, hop, voilà. Rien à foutre. Jouer avec des... Ah non, je me remets pas dedans. Je comprends pas, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas comment les gens font pour live et jamais retomber dans la même. Moi, j'y retombe aussi sec, c'est débile. Et j'ai vu des gens le faire, hein. J'ai vu un stream où le mec le fait et il tombe à chaque fois dans une nouvelle partie. Et il dit c'est génial, enfin, it's awesome. Alors, crac. Voilà. Ensuite ça. Passer par-dessus? Ah non, je peux pas. Tu l'as eu? Et mon boost de dégâts là pendant qu'il est en train de heal, ça aurait été rigolo. Ok. Ok, cool. Hop. On remonte. Ok. Ensuite, ils ont aimé Rodog là, le dernier. Personnellement, moi je prends lui. Je crois au passage que quand on fait le E de Reaper, ça va se voir sous le mur. Donc je vais pas le faire tout de suite finalement. Ce serait bien que tu butes le DPS aussi. C'est bon. Ah, il l'avait eu, d'accord, ok, cool. Bon, bah, coffre. Hop, ouverture. C'est qui? Ça va être Yoshiro. Non, Kopsu. Bon, on va la regarder. Mais là, je sais ce que vous allez dire dans le chat. Ah, mais vous avez vu, il s'est calmé. Bah oui, il s'est calmé maintenant qu'on la reporte. Il se calme comme... C'est souvent comme ça finalement. Enfin bon. Hop. Hop. Ouverture du coffre. On regarde. Y a quelque chose d'intéressant dedans? Non. Comme d'habitude. I am never die. C'est un français à mon avis. Hein, vu son piètre accent anglais. Voilà. Donc salut les gens!